Ce résumé vous est présenté par Heineken et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Il va falloir la garder parce que là le ballon est tout de suite pour Leipzig avec ce bon centre. Ça a été dévié, maintenant Geninho, il va frapper tout de suite, on le connaît, boum, ça va fort et ça part très loin du but finalement. Broby qui a tendance à venir là demander côté droit, l'ex de l'Ajax Amsterdam, Forsberg et Mukiele, premier tir cadré de la rencontre, il est bien sorti là par Mignolet. Ouais, Broby, et maintenant la frappe. Oui, Mignolet, ça va être but. Nkunku, premier ballon touché par le Français. C'est 0-1 pour Leipzig. Et franchement, c'est tout à fait logique. Oui. Forsberg, ce sera... finalement Forsberg, pas mal donné encore, hein. Andrew, et là boum, comme elle vient, Campbell, ça reste là et c'est repoussé, dégagé par Enzo qui a le feu, hein, dans cette défense à chaque fois. Silva, il y a chaque fois un joueur de Leipzig à la retombée du ballon, c'est incroyable, c'est plus un hasard. Non, et il y a des soucis aussi. Ouh là là, Soa, penalty. C'est le moment de sortir sa cape de super-héros là, et allez, Forsberg, ça rentre, impeccable. Il était parti pourtant du bon côté, mais il est très très bien tiré, Speno. C'est le scénario catastrophe, hein. 0-2 après 17 minutes. Angelinho, chaque fois seul, et il a un super centre. Ben oui, et voilà. Et voilà le troisième. Il fallait résister le plus longtemps possible, ne pas en prendre un troisième. C'est 0-3 après 26 minutes. Les Brugeois sont en train de couler là, à pic. Le ballon lui revient, un peu de chance, Van der Bremt encore, Dost, Soa, et ce ballon dévié. Est-ce qu'il ne peut pas revenir? Il n'y a pas une faute sur Van der Bremt. Forsberg de l'autre côté, s'il va demander le ballon, Forsberg, il va y aller, il va frapper seul. Oh, ça fait 4. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là, le doublé pour le Suédois. Le club de Bruges a été bouffé partout, tout le temps. Soa. Il faut passer devant. Et il trouvait Lang. Allez, c'est maintenant Ritz, pied gauche. Dommage, c'est contré par Gvardiol. Avec Silva pour Nkunku. Ça va trop vite pour les Brugeois. Et Mignolet. Bien joué là. Lang pour Ritz. Qui en 2 minutes vient de se créer quand même 2 occasions. Oh là là, Forsberg, facile. Silva, ça va être le 5e. Oh, l'arrêt de Mignolet. Fameux arrêt là du Diable Rouge. Petite déviation de Silva, Nkunku. Ce qui peut passer. Ah oui, oh oui, Silva qui laisse. Oh, il s'amuse là. Ouais, c'est encore Mignolet. Avec Novoa qui a été bien sympa. Et ça devient Leipzig contre Mignolet là. Angelinho. Et c'est tendu. Et ça arrive sur la tête de Rica. Soa, hop là, bien fait techniquement là, Mukiele, Moriba, Nkunku, oh là 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 là, l'extérieur du pied de Moriba, mais quelle action encore, bien joué, Van Aken, la profondeur avec Lang, superbe cette passe, est-ce qu'il peut aller au bout de Lang, non, parce qu'il y a Martinez. Rica Soa. Ouais, pas mal cette talonnade pour retrouver l'Uruguayen, le petit ballon en retrait. Et c'est Campbell qui est là pour se jeter. Soa encore, non, cette fois ça passera pas. Ouais, voilà,
qui veut jouer au plus malin avec Forsberg. Et regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. C'est le cinquième ou pas? Forsberg, il y a plusieurs possibilités. Le petit décalage maintenant. Il joue mal le coup. Moriba. Et Silva, non? Moriba, oh c'est beau. Oh ça aussi le contrôle. Mignolet qui repousse et finalement le cinquième, il est quand même là. Il est quand même là dans le temps additionnel. Nkunku pour son septième but de la saison en Ligue des Champions. Et une belle casquette pour le club de Bruges. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League.